Bienvenue sur Eden Kemi. Aujourd'hui, unboxing 3 cartons, 3 colis. On va voir ce que c'est. Je propose qu'on commence par les petits. Allez, celui-là, je pense que c'est le plus petit. Je me suis attaqué par les bouts de carton. Ah oui, donc ça c'est le socle pour la Wii U. J'ai pris un ciseau mais j'en ai même pas besoin. C'est bon, hop, ça s'ouvre tout seul. Alors, ouais, génial. Génial pour mon setup, mon futur setup, parce que là il n'est pas prêt encore. Mais c'est un début. J'ai le Stream Deck XL. XL en plus. Bon bah ça fera moins de plaisir, moins de McDo, moins de resto pour moi. J'ai Jordan aussi, un ami que vous avez vu à plusieurs reprises sur ma chaîne. Lui aussi il veut se faire un setup et je pense qu'il veut faire du gaming aussi. Quand il commencera, je vous ferai partager sa chaîne. Ce sera peut-être concurrent Jordan, hein. Mais non, je rigole, on s'en fout nous de la concurrence. Nous ce qu'on fait c'est par passion, par plaisir, pour faire partager aux autres, pour divertir les gens. Alors attendez, je vais vous faire voir mon desk. Alors, attendez, parce que faudra d'abord que j'arrive à ouvrir ce machin. Voilà. Magnifique. Faudra déjà apprendre à m'en servir. C'est pas gagné. Ça va faire beaucoup de choses à tester. Là il y a des il y a tous les logos là, mais il y en a que je connais pas moi. Hop, je le mets là. Pardon. Et bien sûr, il y a aussi le cordon. Faut pas que je perde, très important. Donc moi je vais le remettre dans sa boîte en attendant. Et nous attaquons le gros carton. Bon, on va pas dire non plus, c'est pas énorme, mais c'est un gros carton quand même. Et ça pèse à peu près 2,5 kg, je dirais. Jolie boîte. On va regarder ça. Des notices. Bon, les notices, faut mieux les garder quand même au cas où, même si généralement on les lit pas, la flemme. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? On va enlever la mousse. Wow. Ça m'a l'air carré. Oh mais oui, je sais c'est quoi. Évidemment, c'est moi qui ai fait la commande. Bon, vaut mieux pas que je mette déjà mes traces de doigts dessus. Hein. C'est un ordinateur portable Acer. C'est enfin l'ordinateur gaming portable que je voulais. J'ai mis beaucoup de temps pour le choisir aussi. Beaucoup de temps. Voilà. Donc
avec l'ancien, le numérique que j'avais. Je compte soit le l'offrir à ma mère, soit le vendre. Donc voilà. Et bah, je suis content. Il est joli, je trouve. Bon. Je vais là. Il est moins lourd que l'autre. Je vais vous faire voir l'autre, comment il était. Alors voilà, ça c'est mon ancien ordi numérique. Il a maintenant déjà, allez, je dirais un peu plus de 3 ans. Je m'en sers pratiquement tous les jours. Donc là, maintenant, ça va être celui-là, dans très peu de temps. Le temps de retransmettre les logiciels et tout. Voilà, ça va me prendre pas mal de temps. Mais là, vu que c'est le coronavirus, on a le temps, hein, j'ai le temps, hein, j'ai le temps de tout faire là. Dites-moi les amis dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de cet ordinateur-là. Je vous montre aussi comment c'est derrière. Voilà, parce que le design, ça compte quand même aussi, hein. Voilà. Là, sur les côtés. Et ce côté-là. Donc là, par contre, tu n'auras plus le lecteur CD-DVD là que j'avais. Mais ça, maintenant, personne s'en sert, quoi. Voilà. Maintenant, tout se télécharge. Donc, mon vieux jeu Tarzan, bah, je sais pas, je le vendrai peut-être. En plus, je l'ai sur la PS1, c'est exactement le même jeu que j'ai sur la PS1. Voilà, alors dites-moi ce que vous en pensez de cet ordinateur-là par rapport à celui-là qui est mon ancien ordi. Et la différence, c'est que c'est un ordinateur numérique un peu plus vieux. Voilà, celui-là il est de 2019. Celui-là, je sais pas de quelle année il est, mais en 2016 je l'avais déjà, donc il doit être bien plus ancien que celui-là, bien sûr. Et voilà, maintenant il ne reste plus qu'à ranger tout ce bordel. Super. Ça va faire du boulot. Voilà les gens, j'espère que cet unboxing vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me laisser des pouces bleus. Faites partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et bah, je vous dis une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!